Bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Rendez-vous habituel. Cette fois-ci, c'est pour débriefer d'une courte, on va dire d'une courte défaite. Bon, Zoutex, long déplacement, elle a débouché sur un match compliqué face à une formation animée de grandes ambitions. Mais vous leur avez mené la vie dure, de la vie de Marion Herriot, qui est la capitaine. Là, j'ai regardé son interview. Votre intensité dans le jeu les a surpris et inquiétés lorsque vous avez pris 10 longueurs d'avance en première mi-temps. Alors, des regrets d'avoir laissé filer un match à votre portée, battu par plus forte et plus aguerrie que vous, ou une prestation décevante qui pointe des limites? Il y a les trois. On pourrait dire les trois. Il faudrait que les matchs s'arrêtent à la mi-temps. Parce que pour l'instant, toutes nos deuxièmes mi-temps ne sont pas bonnes. Tous les matchs qu'on a fait jusqu'alors, moi j'ai regardé un petit peu. Moi je pense en analysant avec le recul, on prépare très bien les matchs la semaine. Donc on cible vraiment sur ce qu'on doit travailler, où est-ce qu'on doit faire un effort. Donc souvent on démarre bien les matchs. Puisque là à un moment donné on a plus 11, mais on est vite fauté, il y a des rotations, je commence à faire des rotations. Et du coup, eh ben, de plus 11, eh ben, elles reviennent à égalité à la mi-temps parce qu'on a plus 1. Bon. Il faut quand même dire une chose qui est vraiment importante. Il me manque Palmyre, hein, qui est bien blessé à la cheville, qui ne reviendra pas avant peut-être, on ne sait pas, on attend. Elle passe une IRM en fin du mois. Donc cette rotation me manque à l'intérieur puisqu'on manque pour l'instant d'impact dedans. Donc, avec le fait que Palmyre ne soit pas là, je remets Maëlys un petit peu en poste 4, puisque au niveau de notre poste 4, c'est pas suffisant. Et donc, on est en déséquilibre un petit peu. C'est vrai que le début de match a été très intéressant quand on a plus 11. Mais ce n'est pas normal que quand on est plus 11, quand on fait un ou deux changements, notamment je sors Clarisse, quand on encaisse derrière, on ne marque plus de points pendant 5 minutes. On est à 25 et on reste à 25 pendant 5 minutes. Donc on est capable de faire des bonnes choses et puis après de retomber dans notre limite qui est manque d'adresse. Alors question bête, manque d'adresse, il y a une période où vous marquez plus de points, mais est-ce qu'à ce moment-là, je veux dire, il ne peut pas y avoir une rébellion défensive et garder une intensité pour éviter justement... Elle y est, non. On encaisse que 24 points en première mi-temps, on va dire qu'en première mi-temps on est dans ce qu'on veut mettre en place défensivement. On encaisse 40 points en deuxième mi-temps, ce qui veut dire que si on avait défendu de la même manière, on aurait encaissé 80 points à la fin du match. Ce n'est pas du basket pour nous, sachant qu'on marque peu. Donc, il est évident que... Alors, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'on a un problème physique? Les filles disent non. Moi, maintenant, je vais faire vidéo avec elles après l'interview, là, pour vraiment les mettre devant leurs responsabilités. Parce que c'est pas possible de mettre une certaine qualité de jeu, notamment en défense, en première mi-temps, notamment au début de match, et après de retomber dans des travers où on se fait driver de tous les côtés, où on perd les duels, et ça nous met dans la difficulté. Et ça entraîne des lancers francs adverses, des fautes provoquées inévitablement avec du retard défensif. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, je retiens dans tes propos, après match, là, que le journaliste du coin a relaté, adresse défaillante malgré des tirs ouverts, donc, mais aussi une défense qui prend l'eau, 21 points au troisième quart-temps encaissé. La rentabilité, enfin l'apport, pour être plus humain, dans les propos, des joueuses étrangères. Alors, ces défaillances individuelles sont inquiétantes ou... Ben, disons, sa question était à la fin du match... Que pouvez-vous dire de la prestation de vos étrangères, surtout qu'il y en avait une qui jouait à Aulnois l'année dernière. Vos étrangères par rapport aux étrangères d'Aulnois, qui est les étrangères dans le mois, mais 40 points sur 64, et qui nous mettent 11 points sur 56. Donc, points. C'est pour l'instant décevant. Il y a eu malgré tous les matchs où qui a. Est-ce que le basket reste un sport d'adresse? Elle a réussi. Et quand elle met les deux derniers matchs, déjà les deux lancers francs, un petit peu.
à la suite de la faute antisportive, que derrière on marque un 3 points sur une action, mais 5 points, ça donne bien sûr qu'il y en va de leur, à l'équipe et ça met un petit peu la tête dans les étrangères, c'est pour qu'elles tirent l'équipe vers le haut. Et même si les autres doivent amener aussi quelque chose, moi pour l'instant je suis déçue de leur prestation, de la façon dont elles manquent de repères pour pouvoir peut-être elles manquent de repères pour pouvoir amener autre chose. En attendant, les stats sont là. Il y en a une qui prend une intérieure qui prend 2 rebonds, l'autre qui en prend 3. On a des stats qui sont à l'envers de ce qu'on peut attendre, en tout cas des joueuses étrangères qu'on a eu jusqu'alors à Montbrison. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas suffisant. Et que ça peut poser des problèmes dans le temps quand on voit les résultats de ce championnat complètement fou. Et ça peut peut-être aussi permettre l'éclosion de Cyrine. Oui, alors, ce qui a été le cas apparemment. Un petit peu, on va dire. Mais c'est toujours délicat. Tu as des étrangères pour moi qui quand même a eu de l'expérience par rapport à ça. Tu as des étrangères qui doivent amener un plus au groupe. Autrement, tu ne prends pas d'étrangères. Il y a des équipes qui n'ont qu'une étrangère. Tu t'en prends deux, mais surtout amener à minima quelque chose. Ça peut être au-delà des stats, bien que quand tu fais 4 sur 14, ouais. Ben, ça veut dire que tu es passé quand même à travers. Au-delà de ça, ça doit être des choses qui ne se voient pas, ça doit être des rebonds, ça doit être des attitudes en défense qui font que les autres enchaînent. Et là, on n'a pas ça. C'est Ouais, ce sont des joueuses références malgré tout pour le groupe. Qui devraient, oui. Alors que là, en face, à un moment donné, leur étrangère qui joue dedans, elle s'est... Alors oui, Aram a été vite fautée, mais si elle est vite fautée, c'est que l'arbitre peut compter faute assez vite, c'est qu'elle défend une fois que la joueuse a le ballon, alors que moi je lui dis qu'il faut d'abord défendre avant que la joueuse ait la balle. Et là, elle se trompe de... Pourtant, c'est des demandes, hein, donc c'est pour ça que je suis assez... Et est-ce que ce n'est pas de mauvaises habitudes défensives américaines, vu qu'elle vient d'un cursus américain C'est ça. US. Après, ce sont. Nous, c'est exactement oui, pareil. Moi, entraîneur, j'ai. Moi, en réalité, ce qui me dérange par rapport à ce qu'on montre certaines fois, par rapport à ce qu'on montre d'autres fois, c'est que l'équipe doit être à l'image de ce que l'entraîneur veut mettre en place. Si on n'y arrive pas, c'est que ça ne va pas. Donc moi, pour l'instant, sur beaucoup de choses, mais c'est à des années-lumière de ce que j'attends, sur certaines choses, notamment en défense, notamment par rapport à ça. Parce que pour moi, la défense, c'est d'abord la volonté. Et comment peut-on dire, sur une séquence, on encaisse 24 points et puis le même temps après on encaisse 40 points. Donc il y a forcément quelque chose qui va pas et on va le cibler. Maintenant il faut que les filles prennent aussi leurs responsabilités parce qu'autrement on va dans quelque chose qui est difficile. Hein. Même si pour l'instant on est bien classé, mais quand on voit le classement de ce championnat de Ligue 2. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire, donc embrayer là-dessus. En embuscade, vous êtes juste derrière Charnef et Tia, une victoire près. Oui, mais on est sous la menace de poursuivants On est à une défaite. On est à une défaite des deux derniers, qui sont pour l'instant c'est l'équipe qui devrait descendre, c'est Mondeville et Reims, qui ont à la base joué pour monter. Donc ce niveau de championnat de Ligue 2 est imprévisible. C'est un championnat qui est complètement fou. Quand tu regardes encore de nouveau les résultats de ce week-end, tu te dis qu'est-ce que c'est ça, quoi. Et du coup, ça laisse beaucoup d'imprévisions, de quelque chose qui ne peut pas se. On n'a aucune certitude. Le seul objectif que l'on a, il faut en laisser deux derrière. Maintenant, tu me dirais. Autant les autres années, on avait toujours des équipes qui étaient un petit peu en dessous, même si elles arrivaient à faire. Quelques coups dans l'année, là... Ah oui, c'est pour le moment, c'est le... Oui, et vague du coup, le match de samedi contre Monaco est le match le plus important qu'on va faire de la saison pour l'instant. Alors les clés du match, ça va être quoi justement? Elles viennent les promus qui se... Alors, c'est une équipe... Moi, j'ai déjà vu la vidéo sur elle. C'est une équipe qui joue très très bien au basket. C'est une équipe qui s'appuie sur deux joueuses étrangères qu'elles avaient déjà l'année dernière à NF1, mais qui sont de très très bonnes joueuses, avec
un fort impact physique, déjà costaud et puis très combative. Et ils ont autour, eh ben, ils ont une meneuse qui met beaucoup d'impact, qui shoote beaucoup. Hein, c'est une meneuse 1-2 qui est passée dans beaucoup de clubs. Jade, il faut quand même reconnaître que après le match de Charles, j'ai quand même discuté avec le groupe pour savoir un petit peu. Donc c'est une équipe qui lui ai quand même dit à Jade que je m'en excusais parce que a baissé le rendement de ses trois, mais c'est vu comment les filles avaient joué, elle aussi être abandonnée sur le constant sur 40 minutes. En mettant beaucoup de qualité en défense sur les duels et puis sur le collectif. Et puis, moi, j'attends que mes étrangères amènent au groupe et m'amènent ce que l'on attend. Ça veut dire de l'impact dans le jeu. Aram l'a montré contre Reims, elle doit être capable de le montrer sur d'autres matchs. Kyle l'a montré sur un ou deux autres matchs où on était plutôt satisfait. Mais c'est la rentabilité des joueuses, c'est dans la régularité. C'est pas je fais un bon match le premier et puis j'attends le dixième match pour faire un bon match. C'est pas possible, là, on n'y arrivera pas. Et la différence à Monaco, ben, c'est une équipe qui est dure au contact, qui est dure au combat et qui met 68 points par match, qui met 70 points par match. 68, 70, voilà. Donc est-ce qu'on va arriver à les arrêter? Donc tout vient de la défense. Est-ce qu'on va arriver à mieux défendre? Alors ça va être l'axe de cette semaine, mais lui aussi nous prépare, hein, je veux dire, bon, coaché par un ancien bon joueur de basket aussi, meneur. Ouais, il y a tous les ingrédients pour faire un bon match pour samedi. Maintenant, j'espère qu'on sortira vainqueur. Donc rendez-vous samedi pour un gros match, un choc au sommet, Monaco-Montbrison. Oui, en tout cas, c'est un match très important pour nous, pour basculer dans... Donc supporters, soyez au rendez-vous, nous on y sera, et on sera pour encourager et débriefer le lundi, j'espère, sur une bonne note. J'espère aussi, voilà. Merci Corinne, merci Richard.